Renske Hendel pour les Pays-Bas va maintenant s'attaquer à son exercice aux barres asymétriques. Elle n'avait pas disputé le concours général. En revanche, en qualification, elle avait obtenu la note de 9.300. Néerlandaise extrêmement performante au cours de ses championnats d'Europe, avec notamment Verona Vandeleur, qui a obtenu une médaille d'argent au concours général individuel et une autre médaille d'argent au début de ce concours dans la finale du saut. Elle aurait pu apprécier la qualité technique de son travail, notamment proche de la barre, comme ici. Tout ce travail en Stalder, en Endo. L'alignement du corps parfait à l'équilibre. Une accélération, le fouetté. Et la vrille salto arrière, corps groupé. Et une belle sortie pour la néerlandaise. Presque parfaite à l'arrivée. Excellente spécialiste à la barre asymétrique. Renske était déjà en finale au championnat du monde de Gand où elle avait pris la deuxième place. Médaille d'argent. Regardez ici le passage dorsal. De l'appui dorsal, le endo travaille proche de la barre, parfaitement bien placé. Et le demi-tour à l'équilibre. C'est l'une des plus âgées de cette équipe des Pays-Bas, extrêmement performance ici à Patras. Stalder entre les bras, les jambes serrées, étendues. Transfert à la barre intérieure, parfaitement à l'équilibre. Nouveau Stalder avec tour complet à l'équilibre. Précision et alignement du corps. L'efficacité de l'école néerlandaise à cet agrès. Je pense que cette performance, Patrick, devrait probablement lui assurer momentanément au moins la tête du concours. 9.450, effectivement, c'est la première place provisoire pour la Hollandaise.